On passe sur la bonne scène. Aujourd'hui, on va se détendre sur Cats Organized Neatly. Comme la semaine dernière, comme vendredi dernier, on va agencer des chats comme Stéphane Plaza le ferait. Et on va faire ça tranquillement, en discutant. Pendant une heure et demie. Le stream ne sera pas très long puisque je travaille tout le week-end. Et vous connaissez l'hôtellerie, tout ça. Ça prend un petit peu de temps. Allez, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va d'abord enlever Lénore qui est là-haut dans la salle de bain. Voilà. On est sur la bonne scène. Et on va voir à quel niveau on en était. Où est mon petit retour son? Il est tombé par terre. Il est là. Voilà. On en était au niveau 42 et il me semble qu'il y en a 80. Voilà. Un système de chapitres. 10 par chapitre. Hop. On retourne sur le niveau 42. C'est parti. Avec nos petits chats. C'est pas la bonne idée. Pardon, j'avais oublié ton stream, c'est pas grave, t'inquiète pas. Si je fais ça, non, ça passera pas. On va passer ici, ça je pense que c'était les bonnes répartitions. Là, ça ne passe pas. Non, celui-là. Là, par contre, ça peut être une bonne idée. Là, ça peut passer. Comme ça, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ils ont tombé par terre, j'ai dû casser un truc sur le petit retour. C'est des vieux écouteurs que j'ai récupérés de je sais plus où. J'espère que vous m'entendez pas en double avec. Non, c'est bon. Un petit micro intégré, mais c'est vraiment un truc de dépannage. Non, ce sera pas ça. On va essayer autrement. La petite queen là, trop mimi. Oui, ça va être ça. Normalement, c'est ça. Et non. Et non, c'est pas ça. Parce que le chat, il ne passe pas. Et là non plus. Là non. Elle ne t'a rien fait la poubelle, Beetle, ne l'attaque pas. C'est surtout quelle va être la pièce qu'on va mettre de ce côté-là. On peut éventuellement mettre la grosse pièce là. Là, ça peut bloquer ici, ça peut être intéressant. Celui-ci permet de faire un bloc plus simple. Mais
Beetle, arrête avec la poubelle, t'es lourd. Arrête! C'est pas parce qu'il y a des chats partout sur l'écran que t'es obligé de faire des bêtises. Ça, c'est pas dans le bon sens. Ça, ça peut le faire. Non, ça va pas m'aider. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas mal. Lui, je peux le mettre là. Là, non. Mais je peux le tourner. Bon, là, il rentrera pas. Ici, ça va pas m'aider du tout. Et si je le mets comme ça, eh ben, je me retrouve coincé. Oui, t'es à ta gamelle d'eau, tout va bien. Mais oui, on range des chats, on les agence pour qu'ils rentrent tous dans la boîte. Comment ça va depuis tout à l'heure? Merci beaucoup. Je sais pas si on a entendu Lénore, mais elle a dit merci depuis la salle de bain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le resub quatrième mois. Essayons comme ça. Essayons comme ça. Ah, c'est bien là. C'est bien, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Quand même. C'est marrant, la dernière fois, les niveaux, on les enchaînait en 20 secondes, et là... Et là, c'est pas du tout la même histoire. Lui, non. Lui, non. Je pense que eux, ils sont bien ici. Comment ça va aujourd'hui, du coup? Celui-là, il avait l'air bien agencé aussi. Donc ça pourrait être celui-là qui serait mal placé. On va le remettre comme ça. Là, comme ça. Ici, on pourrait faire ça. Non, parce que lui, je pourrais pas l'encastrer ensuite. Et comme ça. 1, 2, 3, comme ça. Ouais. 4, comme ça. Et non, toujours pas. J'ai mal à la tête, perso, et vous? Bah, on a pas mal à la tête, mais on touche beaucoup à la tête, puisque c'est la phase numéro 2 de l'opération anti-coup à la maison. Donc, rebelote comme lundi. Ça prend beaucoup de temps, et pas ce qu'il faut, donc voilà. Non, moi non plus pas mal à la tête. Nala me crie dessus. Oh! Et pourtant, c'est pas par manque de papouille, ça on le constate. Hein. Hop, si je fais ça. Que lui, j'essaye de le tourner. Ça ne va absolument rien changer. Est-ce qu'on peut skip le niveau? Voulez-vous vraiment passer ce niveau? Mais je sais pas si je peux. Je peux passer ce niveau? Oui, je vais pouvoir revenir dessus et... Oui, je pourrais revenir dessus, c'est pas gênant. Voilà, on va en faire un autre, et puis ça va bien se passer. Pas celui-là. Celui-là, il pourrait aller là. Non, ça va pas être ça. Mince, j'ai mal entendu la fin de ta phrase quand tu m'as répondu à comment vous allez. Bah, ça va, ça va. Sinon, on a encore l'opération... Ocli l'embête, elle me crie dessus, j'y peux rien. Mais oui, j'ai bien vu, bah, j'étais sur son stream jusqu'à 14h58. Et j'ai vu qu'il l'embêtait, hein, on est d'accord. Mais après, si les viewers arrêtaient de payer pour ça, ça faciliterait. C'est aussi la faute des viewers, c'est toujours la faute des viewers. Hop. Je peux peut-être éventuellement jouer comme ça. Comme ça. Avec l'espèce de... Voilà. Non, ça va pas être ça. Non, ça va pas être ça. Et du coup, oui, on est sur l'opération anti-poux phase 2 aujourd'hui. C'est pas rigolo.
Il fait plus la gueule et est de retour à ses côtés. Bah, en fait, on n'est pas. J'ai entendu opération. Oui, c'est l'opération anti-poux. C'est ça que je disais, oui. Tout va bien. Tout va bien. Hop. Comment on va essayer de s'organiser? On peut essayer d'encastrer comme ça. Le chat, il est là. Oui, ça me paraît bien. Lui, si je le mets là, il va être content, mais il va me prendre la tête. Donc, on va essayer de le caler ailleurs. Là, ça me paraît bien. Hein. Là, on est pas mal. Là, on est pas mal du tout. Voilà. Tac. Ce niveau-là, il est fait. Ouais, à partir de 20h30, c'est parti pour un nouveau week-end. Ce sera pas, peut-être pas complet ce soir. Oh, on a trouvé un nouveau chat, c'est Miss Vanguard. Premier à être éliminé de la saison 10 de la célèbre émission de télé-réalité Floof Mule's Cat Race. Ce mignon. Oh, puis c'est une petite pièce pratique à mettre en place, ça. C'est vrai qu'il est mignon. Oh. Et du coup, ouais, ça travaille ce soir, ça travaille demain. Et semaine prochaine, un petit peu différent. C'est l'avantage d'avoir son anniversaire, c'est que quand je demande ma journée pour mon anniversaire, je l'ai en général. C'est aussi un des privilèges de l'ancienneté. Hop. Je vais venir tenir compagnie à Lénore alors, je suis solo aussi. Faudra passer à l'antipou alors, par prévention. Pas pour nous, mais plus pour toi. Parce que... Et en plus, il y a un raid. Coucou les gens. Reocli, ça s'est bien terminé. M'a dit c'était rapide en effet. Tu m'avais dit que ça allait que t'allais finir rapidement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Tac. On est en train d'encastrer des chats pour ceux qui débarquent. Bienvenue. On est en train d'essayer de classer des chats dans une boîte. Et comme ils sont tout mignons, eh bien ils prennent pas trop de place et ça va rentrer pile comme il faut. C'est un jeu orienté de détente. Cookie coup, oui, petit stream rapido. Eh ben c'est cool. C'est cool aussi. Ça permet de te détendre et de penser à autre chose que le boulot quand on est en phase de travail. Et ça, je comprends tout à fait. Si je me mets là, ça fait un petit 2. Vas-y, on se fait une soirée apéro Netflix. C'est une bonne idée. Lénore dit, elle ne regarde que des films d'horreur. Et des trucs LGBT. Voilà. Mais il n'y en a pas beaucoup. Si je le mets comme ça, le petit chat. Si je le mets comme ça marche pas. Mais je pense que si je fais ça, bah non, ça fait un carré. Ah mais non! Il a une forme tac 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 tac. Oui mais pas avec de la pizza, on s'en est pris une ce midi. Bah vous faites le programme que vous voulez, hein, y a pas de souci. Voilà, comme ça. Tac. Ça va. Bon, de toute façon, elle est pas, elle sera pas difficile là-dessus, Léna. Pas du tout difficile. Bon alors du coup raconte, j'ai raté quoi comme anecdote au cli? Oh il est mignon celui-là. Oh il lève la patoune, trop mignon. Pou 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 pou. Comment on va s'organiser? Comme ça. Là c'est pas mal. Ça c'est pas mal, oui c'est pas mal. On peut faire ça. Je vais pas le finir du premier coup. Ah non, j'allais dire, c'est trop facile sinon. Si je fais ça, eh ben ça passe pas non plus. Il va y avoir un truc à revoir. Un truc à revoir. Lui, si je le mets là, évidemment, il ne passe pas. Ben non, il passe pas. Si je fais ça, il irait mieux là, en fait. Il irait mieux là. Non. Pou pou pou. Si je le mets comme ça, lui, il va être galère à encastrer derrière. Donc c'est pour ça que je le remets dans ce sens-là. Non. Tu vas là. Toi, tu vas là. Je sais faire des trucs d'apéro maison, genre des tuiles au parmesan. Est-ce qu'il nous reste du parmesan? Bien, alors donc oui. Ça passe pas là. Ça passe pas. Vendu! C'est bon, c'est validé. Elles sont très bonnes ces tuiles au parmesan en plus.
Je dis pas ça pour faire le faillot. Hein. Enfin, pas seulement pour faire le faillot, elles sont vraiment bonnes. Des tuiles au parmesan. Une recette de Hobbit. Si je fais ça... non, ce sera pas ça. Mais je peux faire ça, éventuellement. J'inverse les deux. Je fais ça. On va se faire inviter chez la maman d'Ocly. Ma mère sait faire des biscuits au fromage parmesan bleu et mimolette. Ah, j'ai vu bleu, c'est bon, c'est validé. Si tu veux, je prends mon agenda, on prend rendez-vous. Mais je valide. Je valide totalement. On va essayer de mettre le petit 2 là, comme ça. Ensuite, celui-là, si on le met à l'endroit, et que ça, on le met comme ça. Zut, c'est pas dans le bon sens. Dommage. Coucou Lika! Comment ça va? Oh bah ça ronronne, ça ronronne. Mais non, mais je voulais pas les virer, je voulais les faire ronronner. Et toi, comment vas-tu? Et ben voilà, en plus, Lika arrive et on arrive à finir le niveau. Tranquillou. Hop. Donc Lika, comme tu débarques, je te passe l'information aussi. C'est opération anti-poux aujourd'hui, numéro 2. Donc, encore une fois, nos enfants nous apportent les petits bonheurs de la vie, numéro 827. Le 828, c'est qu'il a fait caca dans la douche tout à l'heure. Pardon. Ça vaut mieux en rire. Et du coup, voilà. Tranquille, je vais voir comment ça... Je passe voir comment ça s'emboîte. Bah, ça s'emboîte pas trop mal, mais on avance plus lentement que la dernière fois. Les niveaux commencent à devenir difficiles comme il faut. Et ça, c'est bien. C'est agréable. Il a fait caca dans la douche, quoi. J'ai déjà vu des adultes faire caca sur les aires d'autoroute, devant les toilettes, ou sur les toilettes sans les ouvrir. Mais après, comme il était sous traitement anti-poux, c'était un peu long. Donc à un moment, il s'est dit, vas-y, c'est bon. Comme tout adolescent l'aurait dit. Et plouch, et caca dans la douche. Technique, faire un grand bain de vinaigre et maintenir l'enfant dessous 20 minutes. Le problème du vinaigre, c'est que c'est réputé pour être efficace et économique. Dans les faits, nous, on utilise des trucs qui sont quand même réputés pour être plus efficaces et ça marche pas. Après, la taille des bestioles, on en a trouvé deux vivantes depuis là aujourd'hui. La taille, c'est clairement des lentes qui ont éclos. Donc, on laisse pas traîner et on laisse pas pourrir la situation. On essaie de garder le contrôle. Alors, j'ai gagné un succès 4 cafés. Certainement parce que j'ai dû passer deux heures sur le jeu. La prochaine fois qu'on vient, je veux ces tuiles de parmesan, miam miam. Ok. Le pipi dans la douche, ils ok, mais pas le popo. Après, vous faites ce que vous voulez chez vous. Mais Elisande, normalement, on lui permet pas de faire ça. Là, il a pris une petite liberté. Et, bon. Une fois que c'était fait, on n'avait plus le choix. Hein. Il nous a mis devant le fait accompli. Caca sous la douche. Je pense que lui, on va le mettre... on va le mettre où? On pourrait... Non, pas du tout. Je pourrais le mettre au milieu. Hein. Si ça se trouve, le piège, c'est qu'il faut le mettre au milieu. Un truc genre un peu pourri. Comme ça. Non. Comme ça, ça serait bon. Que là, je peux faire ça. Je regardais ce qu'on peut faire, j'ai jamais tenté les apéros maison. C'est noté. Que dit Bulle, coucou, que dit Bulle. Comment vas-tu? J'arrive, ça parle de caca sur la douche, quelle ambiance. Désolé, c'est Lisande tout à l'heure, c'est pas notre faute, c'est lui. Il a pris des libertés. Pas cool. Tant pis, c'est devenu une douche, donc c'est dans le thème. Aïe, 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 faites des gosses. Faites des gosses. Hop. Après, on a dit que le vendredi, c'était détente aussi. Comme le mercredi, mais pas avec les mêmes jeux. On essaie de réfléchir un peu plus le vendredi. Le mercredi, le vendredi... Oh, je sais même plus quel jour on est. Je travaille ce soir, je sais pas. Bonsoir. Du coup, je suis perdu. Au lieu de dire des bêtises. Non, c'est pas du tout ça. Oui, du coup, je le disais, le mercredi, on fait des jeux tranquilles, contemplatifs et compagnie. Et le vendredi, on essaie de réfléchir un petit peu plus et de mettre en route les neurones. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
J'essaie d'écrire, mais les vont mouiller, alors j'arrivais pas dessus. C'est pas très facile, fais attention. Il est arrivé des malheurs comme ça à Claude François. Avec un portable? Non, mais avec des doigts mouillés sous la douche. Non, t'étais plus sous la douche. Hop, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça. Et c'est Lénore qui nous porte chance. Tu vas me badigeonner? Yes. Ça y est. T'enlèves ta chemise. Oui, alors je suis super content. Parce que vous vous souvenez qu'on a un petit truc, un petit deal tous ensemble. Si j'ai 200 followers, vous avez interdiction de créer des faux comptes. Hein. Merci. Mais on n'y est pas aux 200 et... parce qu'elle a les torse-poils. Je vais torse-poil avec de la lotion sur la tronche pendant une heure. Monsieur Dung dit que c'était le moment idéal pour ne pas annuler le stream. Donc voilà, ça va être une heure de lotion. Oh, regardez, vous avez trouvé un nouveau chat. C'est Louf. C'est Louf. Louf. C'est Mitlouf. C'est Louf. Ah oui, c'est Louf. Oh, le jeu de mots. Ah oui, il est bien grassouillé celui-là en plus. Hop là, donc j'arrive à lire le chat. Chaud pour atteindre les 200. C'est le moment là. Tous les streams, il mettra une photo d'une personnalité à l'endroit de sa webcam. Il y a quelqu'un qui fait ça, c'est une bonne idée en fait. En vrai, j'aime bien l'idée. Non, après, je pense que pour être tout à fait réglo, donc la cam, je la mettrai à 200. Coucou tir au flanc, comment ça va? Je mettrai vraiment, je l'enlèverai quand j'aurai pas envie, mais vous pourrez la réactiver quand vous aurez envie de me scroller avec des points de chaîne. En mode. C'est-à-dire des moments comme celui-là. Ah bah oui, ouais, sur celui-là, ça serait parfait. Mais histoire que, voilà, si je vous dis j'ai la flemme et que vous dites bah non, j'avais envie de voir ta tronche, ou tiens, t'as la flemme, super, j'ai envie de payer des points de chaîne pour ça, bon bah voilà quoi. Ça fera partie du jeu. Ah, j'aime bien, ça fait des gratouilles. Sinon tu fais une cam à l'encre mécanique. Bah j'ai bien cherché à être original, mais j'ai pas trouvé l'idée sinon. Fais des photos de Jean-Michel Blanc. Non, ça va aller, hein. Cam, quoi cam? Bah c'est à 200 followers, mais là j'ai les cheveux un peu encombrés. Du coup vu que tu t'appelles Camilix, ça serait une cam to cam. La cam de cam. Oui, la cam to cam. Oh, ah, y a peut-être des choses à gratter, hein. Pas les cheveux. Vous pouvez sortir toutes les blagues sur les poux là. C'est bon, c'est... C'est préventif, mais quand même. J'ai l'impression de lui faire une coloration, parce que c'est le même principe pour appliquer. Ah bah c'est super. Sauf que bon. C'est super agréable, moi je... Eh, tu comprends maintenant, hein. Ah bah je comprends pourquoi Franglish, il fait des lives cheveux, hein. En vrai, il a eu ça. Action interdite, ne pas mettre la cam. Ah, malheureusement, je n'ai pas le bouton on sous les yeux. Bon, oh, ce petit bruitage de lotion, là. J'espère qu'il en reste assez, hein, je vais pas commencer. Oui. Et coucou, oh merci beaucoup pour le raid. Oh, ça tombe pile au moment où il y a la lotion dans les cheveux. Oh, c'est super agréable. Ah, ça va, celui-là il est pas tombé pendant le caca dans la douche. Bonsoir les raiders. Comment allez-vous depuis tout à l'heure? Est-ce que ça s'est bien fini sur Isaac? Est-ce que ça s'est bien fini sur Isaac? Faut pas s'énerver. Nous on est avec des petits chats. Coucou. On est avec des petits chats qui ronronnent et on essaye de les encastrer. En tout bien tout honneur, dans ces petites cases, et de faire rentrer tout le monde, parce qu'ils sont gentils, ces chats. Et oui, c'est Isaac. Hop. Alors, comment on prononce ton pseudo? On dit Jen? Jen Noodle? Je suis morte comme un poupe. Ah, il y en avait beaucoup des poupes dans Isaac, c'est l'avantage. Donc, ça passe crème. On fait le petit shootout. Comment on prononce? Bah, Jen Noodle. Bah, j'aurais dit Jen Noodle, mais comme on n'en a jamais parlé au niveau prononciation, je préfère te demander. Le petit shootout, hop, tac. C'est vrai que t'as beaucoup de cheveux. Oui, j'ai beaucoup de cheveux. Ah, en plus, ils ne peuvent pas en profiter. Et en utilisant les actions interdites, ne pas mettre la cam. Ce n'est pas une action interdite puisque la cam n'est pas encore en place. C'est pour ça. Sauf si on arrivait à 200 followers, auquel cas je serais obligé de vous dire que, en fait, si, elle est complètement en place. Bah ouais, j'ai fait comme t'as dit. Classe. Merci beaucoup, mais c'est normal. Donc n'hésitez pas à follow Jen Noodle pour avoir du contenu sur Isaac, sur Viennese Nye aussi. Voilà, un peu de solidarité en ce moment parce qu'on a tous les deux morflé. Bah, je crois que je la suis déjà. Moi. C'est possible ça. Oui, je crois que tu la suis déjà. Pardon, je te suis merci. Déjà, je veux bien te follow pour te refollow. Ah bah non. Oh, il est trop mignon ce petit chat, trop choupi là. Mais oui. C'est marrant, t'as un grain de beauté là. J'ai un grain de beauté. Non, tu me les enlèves pas les grains de beauté dans mes cheveux. Hein. Ah, bah non. Oh, je veux garder mes grains de beauté. Bon, alors le gros chat, il passe pas là déjà. C'est lui qui me met dans la mouise.
Ah, ça fait du bien, vas-y, je vais me faire des couleurs maintenant. Vous pouvez clip si vous voulez, ça, mais franchement, ça, c'est super agréable. Ah, oh, j'adore. Tu as déterminé la couleur après. Ah, j'adore tourner chez la coiffeuse. Ah, oh, non, c'est super agréable. Et encore, j'ai pas fait encore les longueurs. Là, je fais que je me concentre sur les racines. Ah, ouais, non, mais c'est trop bien. Ah, ça fait des guilis et tout. Oui, c'est trop bien. Je comprends les live colorations de Franguish. Voilà, je le jalouse. C'est officiel. Je veux absolument faire comme lui. Non, pas me raser les cheveux. Ça, c'est cheveux roses, c'est une bonne idée. Cheveux roses ? Qui a dit cheveux roses ? Oui, Oakley, cheveux roses, oui. Pourquoi je regarde qui l'a dit alors que ça pouvait être une bonne idée sans savoir qui l'avait écrit ? C'est vrai, ça. Oui, mais si ça plaît en plus à Oakley. Tout ce que tu voudras, mon grand. Ah non, mais ça y est, moi j'ai une fanfic dans la tête. Si je le mets là, ça rentre pas. Aucun rapport avec ce qu'on vient de dire. Je parle du gros chat. Le gros chat, hop, casse ça. Ouais, ouais. Gros chat, trop mignon. Tu vas jamais aux coiffeurs qui font des massages Non, bah non, c'est... On se permet pas ces petits trucs-là, mais peut-être qu'on le fera maintenant. Ah non, c'est super agréable de se faire... Je le faisais... Alors, j'étais payé pour ça, rigolez pas. Quand je bossais à la fac, il y avait la journée des personnels. Et un de mes boulots ces jours-là, c'était de faire des essais de produits, de pas de produits, d'appareils, des trucs de grattage là. Et je grattais, je massais les crânes des gens. Ah, oh, c'était trop bien ce truc. Et j'étais payé pour ça. Oh là là. Voilà, c'était royal. C'était un des nombreux métiers craqués que j'ai pu faire dans ma vie. Non mais Camélique, c'est le caméléon en fait. Un jour, je suis tombé sur un coiffeur qui faisait des massages crâniens, le méga kiff. Ah bah franchement, je vous comprends là. Ah oh, mais ouais. C'est vraiment les Moi, quatre. C'était pareil à Rouen, il y avait comme ça. En fait, c'était pas du tout le but à la base. Mm-hmm. Et c'était le coiffeur où j'étais allée. Il avait une apprentie. Mm-hmm. Et je lui ai dit par hasard comme ça, je dis, ah non mais moi je kiffe, c'est vraiment le moment le plus agréable pour moi, c'est le shampoing parce qu'il y a... Il y a un léger massage avec et c'est trop bien quoi. Mm-hmm. Et du coup, elle m'a fait un massage crâne. Oh là là, trop bien. C'était trop bien. Ah, quel pied. C'était genre il y a 12 ans, mais je m'en souviens encore. Si je fais ça, ça passe ? Oui, c'était comme ça. Je faisais pas n'importe quoi, même si c'est pas facile de se concentrer avec ses papouilles dans oui, les cheveux. Ah non, au contraire, continue. Et du coup, on finit le niveau. Ça fait plaisir. Ah, mais oui. Merci Oclidiane pour le follow. Ocli est un... Bah attendez, excusez-moi, je remets un shootout puisque Ocli nous arrête juste avant aussi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Oclidiane, vous n'êtes pas très nombreux ici, mais je vous invite à aller voir si c'est le cas. Oclidiane, il a fait du juste châtain, mais d'habitude il fait du Isaac, il fait de la musique, et c'est lui qui m'a imposé Viennisnai. Donc on le remercie, ou pas, mais en attendant c'est... voilà. Vous êtes fait pour vous entendre si vous aimez les mêmes jeux. Et Isaac, Oakley, c'est, ça match. C'est obligé. Pour la fanfic, Lénor, n'oublie pas que le travail d'Oakley, maintenant, c'est de fourrer des choses. Non, bah, t'inquiète. Spécialité spécialité chausson. Alors, on a des gros chats qui sont là. J'essaye de toucher les enfants. Raté, je suis pas en cuisine. C'est une fanfic, on peut déformer un peu la réalité. Ah, top, je t'ai follow, Oakley. Voilà, c'est bien de follow, Oakley. Je sais pas quel est ton follow goal pour les 250. Ah, on est dans le dos. Pardon. Désolé. C'est pas grave. Oh ouais. Ouais, pardon, je viens un peu... J'adore prendre un rendez-vous chez la coiffeuse. Ouais, parce que là, je peux te faire une queue de cheval. Oui. Mais comme ça, je peux même te faire un chignon, quoi. J'hésite à aller bosser avec un chignon, hein. Franchement, en ce moment... Je suis pas très chignon à la base. Normalement, je laisse mes cheveux tranquilles, en liberté. Mais pour aller bosser, franchement, ouais, ce serait pratique. J'en ai pas donné des idées. Lika, tu te tais. Énorme. Sinon, on peut faire un straw poll et demander est-ce que Lika doit donner les idées, mais je pense que tu vas pas être d'accord avec les résultats. Pardon. Ah, ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien. Le gros chat, il va pas aller là, celui-là. Gros chat. Avec ça, elle sent vachement bon, la lotion. Hein. Alors, ok, c'est pas obligé de sentir la mort, les trucs comme ça, mais elle sent vraiment bon. Elle est très agréable. Je ferai pas ça tous les jours non plus. Hein. Ouais, c'est clair. Je reste en l'heure, je vais aller grignoter un bout. Bon appétit, merci beaucoup. Et à plus tard. Réponse du Stropole, non. Ah, bah voilà.
Bon bah, il était rapide, j'ai même pas eu le temps de le voir, dis donc. Bien joué, Clint. Tac. Gros chat qui est là, on va le mettre où le gros chat qui est là. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, les gratouilles. Je me sens comme un chat dans le jeu, là, à qui on vient faire des gratouilles. On pourrait demander à Beetle de faire des imitations, mais... Dernière fois qu'il est venu, il a fait un couinement bizarre. C'était mercredi soir. En fait, il a tout à fait réussi son coup parce que du coup, il y avait Franglish qui avait absolument pitié. Oui, il a fait « Oh, trop mignon !» Donc, Franglish lui aurait donné le sac de croquettes entier. Ah oui, c'était garanti. On est pas mal, là, non? On est pas mal? Non, on est pas mal. Ça me paraît pas trop mal, mais je pense pas qu'il parle de la même chose. J'ai fait vite, soit tu cèdes. Ah. Alors, ce sera pas celui-là. Fun fact, j'étais en train de... Oui, j'ai réussi à esquiver Streamlabs. J'étais en train de lire un truc, donc je sais absolument pas pourquoi Oakley voulait des idées vu que j'écoutais pas. Ah, ah, c'est dommage. Je crois qu'il va pas vouloir répéter, en plus. Non, en fait, il cherche des idées pour son follower goal à 250. Lénore aussi a des idées, mais je ne sais pas si tu préfères les idées de Lénore ou les idées de Lika. Franchement, moi, mais... C'est... bon, voilà, quoi. On a la commu qu'on mérite. Eh, tu fais ta maline, mais toi, t'es à 49 followers. T'auras aussi Bah oui, t'auras aussi un follow goal, hein, un moment. Ah ouais? Non, non, tu dis pas. Qu'est-ce qui se passe? J'en ai encore mis à côté. Sur la chaise. C'est un titre. Un magnifique titre. Oh, ça va. J'en ai encore mis à côté, j'en ai mis sur la chaise. Il est pas mal. Il est pas mal. Surtout quand tu vois la tronche du truc, excuse-moi, mais c'est vrai que niveau viscosité, couleur, tout ce que tu veux, là, on y est. Hein. Je vous rappelle que le stream est purement familial et qu'on ne parle qu'en sous-entendu. Pardon, mais voilà. Ça fait trop du bien, ça fait trop du bien les gratouilles. Oh non, mais sérieux. Oh là là, quel pied. Ça y est, tu commences à comprendre un peu mieux la chanson de Gainsbourg, là. Ouais. Bah, je la comprenais un peu, mais elle m'était quand même mal à l'aise, mais là, oui, je la comprends très bien. Ah, c'est trop bien les papouilles. Voilà, dans le doute, Lénore, ne dis rien, tu dis pas dans le doute, Lénore, je risque de mourir sur les idées d'Ika. Ah ouais. Alors. Non, mais moi, le problème, c'est que si je donne mes idées, ce serait pour les 250 followers, mais en fait, non, ce serait pour. Moi et accessoirement les 249 autres followers. un défi de communauté, quoi. Je vois. Ça dépend, je peux te faire lire un papier sur la dualité onde corpuscule et son rôle dans la diffraction de la lumière. Et on voit si ton cerveau fond avant que tu comprennes. Oakley, ça devrait aller. Ça devrait aller. Moi, ça dépend de mon état de fatigue. Il y a des jours où je suis vraiment capable de rien. Vienne Isnaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont bouffé une partie du. Des torts. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont bouffé? Les pains au chocolat blanc. Oh, j'y crois pas! Oh, bah, il y en a un qui va vomir. Bah, ça fera bien fait pour sa gueule. Ils ont bouffé les chocolats blancs. J'ai fait bac S, je connais, tu crois quoi? Aïe. Il en reste ou ils ont tout mangé? Il y en a un où ils ont mangé qu'une petite partie, je vais couper et ça va aller. Ok. Un qu'ils ont pas du tout touché et un qui a pas mal porté. D'accord. Ah, t'en avais pris 4? Ouais. D'accord. Il y avait une promo. Bah, heureusement. Merci les chats. Hein. Bande de connards. Ouais, je comprends pourquoi Beetle il est planqué en fait. Ouais, c'est parce que depuis. En fait, c'est pour ça qu'il voulait pas sortir quand on lui a proposé les croquettes pour passer le petit sur le canapé. Il avait plus faim. En fait, il avait fait une connerie. Oh mon dieu. C'est l'enfer. Bien, ok. Va falloir que tu les réorganises neatly pour qu'ils fassent plus de conneries. Bah, ouf, ouais. Les relous. Impressionnant. En plus, tout à l'heure, j'entendais faire des yes. Je peux te faire lire Flatland alors à la place, ça sera encore plus drôle. Flatland? Je connais pas. Alors, évidemment, les gros mots que vous avez entendus étaient prononcés sans enfant à côté. Hein. J'ai même pas fait gaffe.
Je te répéterai pas ce que t'as dit. Je pense qu'on dit ici en anglais demain. Non mais ils sont relous, c'est pas comme si... Enfin, ils ont assez à bouffer, quoi. Tu parles, ils passent leur vie à bouffer nos trucs. Et en douce. D'ailleurs, t'es solo sur tes emotes. T'es solo sur tes emotes? Quoi? Ah oui, 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 tu as raison. Et voilà. Là, je suis plus solo. Merci. Alors... On en était où? Ah, c'est fini? Oui. Y'a plus de gratouille? Oh, oh, ça faisait du bien. C'était bien. La déception. Oh. Voilà, j'ai remis les nords. Merci. J'ai remis les nords et là où je vais être embêté, c'est dans les deux coins qui sont là. Que celui-là, il pourrait passer là. Mais non, puisque derrière, ça me coince. Par contre, si je fais ça... Non. Si je fais ça, non, ça passe pas. Il y a celui-là aussi, mais là, ce serait la mauvaise idée. Si je fais ça... Non, c'est une mauvaise idée. Oui, le T, il est là. Le T, il est là, comme ça. Et là, il faudrait que j'arrive à en glisser un, comme ça. Là, ça pourrait le faire. Là, ça pourrait le faire. Celui-là, il passerait là, comme ça. Non, ça passera pas. Ça ne sera pas comme ça. Ça ne sera pas comme ça non plus. Si je mets celui-là, le gros chat, le grand chat bien allongé ne passerait pas non plus. Sauf si je fais ça. Comme ça. Là, ça passe. Là, je peux mettre celui-là. Ensuite, un chat par deux. Un chat par deux. Comme ça. Lui, il irait forcément là. Donc, c'est pas ça. Sauf si je fais ça. C'est dommage, ça s'est bien encastré, là. Ça s'est bien encastré, mais ça ne sera pas ça. Si je fais ça, comme ça, tac. Ou si on le met là, comme ça. Là, ça sera pas là. On le tourne, comme ça. Et là, ça passera pas. Non plus. Et si je fais ça, c'est pareil, ça reporte le problème. Quelle est la première pièce à placer ici? Ça chauffe un petit peu le produit quand même là. C'est comme ça que ça fait aussi la coloration? Oui. Ça chauffe, ça gratte chauffe. Après, ça sent bon, c'est agréable ça. J'ai testé pour vous, mais je vous montre pas. Là, ça passe? Non, ça passera pas ici. Gros chat, là. Gros chat... Si je te mets comme ça, ça peut être bien. Ça peut être vachement bien. C'était ça. Impeccable. Niveau suivant. On passe au niveau 49. On avance, tranquillou, pépouze. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée au pli? Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme idée pour ton objectif de follower? Lui, il va certainement passer là. Tu peux te cacher, Beetle. Tu peux te cacher, t'as été vilain. Et après, tu vas encore faire des vomis, alors que t'as pas la santé. Dégage, je veux pas te voir. T'as pas la santé pour ça, Beetle.
tu peux pas te permettre. Tu n'es plus un chat tout jeune, et quand tu fais des vomis comme tu les fais parce que tu as mangé n'importe quoi, eh ben, c'est pas rigolo. Nous, ça nous amuse pas de te voir gerber. Hein. On a déjà assez de Lisande qui fait caca dans la douche. Il ne l'a fait qu'une seule fois, c'était tout à l'heure. Ça va pas être là. Plutôt là, avec le tout petit trop mignon qui va là. Si je fais ça. Non, ça va pas passer. De quoi caca dans la douche, D comme Daniel. En fait, Lisandre tout à l'heure, il était dans la douche pour son traitement anti-poux, parce que c'est bien connu, c'est trop bien l'école, et c'est encore mieux quand pour les vacances, bah, y a le petit cadeau surprise, la petite ration supplémentaire, ça vous manque pas déjà. Du coup, oui, non, je suis d'accord. Pas du tout. Donc, il a passé pas mal de temps dans la douche. Et au moment où il en a eu marre, on lui a demandé, hein, t'as envie d'aller aux toilettes? Tu vas aller faire caca? Non, non, non. Et au moment où il s'est dit, vas-y, ça fait longtemps. Pouf. Puis il s'est pas posé de questions. Hein. Du coup, voilà. En ce moment, il a une passion pour les flaques d'eau aussi. Franchement, la machine à laver, elle a jamais autant tourné. C'est abusé. Si je cherche toujours à les mettre à l'endroit, c'est peut-être ça le problème avec les petits chats. C'est peut-être ça. Non. J'essaie trop de les mettre à l'endroit en fait. Je pense que c'est le meilleur moyen de se retrouver piégé. Il a posé zéro question, le seul truc qu'il a posé c'est une pêche. C'est exactement ce qu'il a fait, voilà. Est-ce que tu veux aller aux toilettes? Je veux pas aller aux toilettes. Puis quelques minutes plus tard. Donc qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Parce qu'il y a eu ça. Et toi t'as trouvé. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de me souvenir tout à l'heure comment ça s'est passé. Parce qu'on a des chats à la maison qui sont aussi des grands chasseurs. On n'a pas beaucoup de mouches à la maison. On en a une en ce moment. Enfin, on en avait une. Sinon, bah, elle rentre pas. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir des mouches à la maison. Et il fait pas trop humide, pas trop chaud, donc ça va. Il y a une mouche qui est rentrée il y a 2-3 jours. Et tout à l'heure, elle a réussi à se glisser dans la robe de Lénore. Bah oui. Et du coup, c'est là où on se rend compte qu'on a des chats qui sont des grands chasseurs. Parce qu'elle a réussi à survivre 24 heures dans l'appart, seule, sans se faire bouffer par les chats. Avant, ils étaient un peu joueurs, mais maintenant, ils s'en fichent, ils savent juste qu'ils ont juste à éclater un paquet de pain de mie qu'on n'aurait pas rangé dans le placard. C'est fini, quoi. Ils ne survivent pas. Après, c'est notre faute, hein. Faut qu'on mette tout dans le placard. Tout dans le placard. Les chips de crevettes, ils y touchent pas. Ils les mettent par terre, mais ils y touchent pas. Ça se demandait s'il y a de la crevette dedans. C'est pas mal. Ça c'était bien. Ça c'est peut-être bien. Ça c'est peut-être bien. Et ça c'est peut-être bien aussi. Ouais, c'est bon. Avec le petit préféré. Trop mignon. Et voilà. Niveau 50. Il va forcément aller soit là, soit par là. Hop. Toi tu vas aller là. Dans le placard, sauf les enfants, c'est dans le bac au milieu du congélo. On a mis un panneau pour rigoler. Ah, maintenant il a été arraché par Lisande lui-même. bébé à bord. Maintenant, ce qui est rigolo, c'est que si on devait avoir une voiture, et bah. De toute façon, on n'aurait pas mis celui-là. Non, on n'aurait pas mis celui-là, mais si aujourd'hui il nous fallait une voiture, il nous faudrait une grosse voiture, quoi. Pour trois gamins, plus deux chats. Enfin, ça sera après le permis. Lénore a le permis. Hein. Enfin, chez moi, c'est un permis de tuer. c'est vrai qu'il vaut mieux que tu conduises pas. Je vais pas le faire en une fois, ce niveau-là. Non, je vais pas le faire en une fois. Non. Tu parles, y a plus aucun respect, disant, de arracher le bébé à bord que j'ai mis sur le congélo. Voilà, bah oui.
grosse voiture, un bon coffre de toit. Ah, les galeries, hein. Si je fais ça, ça passe pas. On va pouvoir le mettre comme ça. Non, ça passera pas. Ça sera pas ça non plus. Si je fais ça et ça. Comme ça. Non, ça sera pas ça. Ce sera pas ça. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il reste des saveurs sur ces petits pains? Sans commentaire, ça veut tout dire. En plus, il bouffe du chocolat blanc, alors que c'est un chat qui commence à avoir un certain âge. Bon, il se rend pas compte. Il se rend pas compte que c'est dangereux pour lui. Et après, quand on retourne chez le véto en urgence parce que il a du mal à uriner, bah tu m'étonnes, il bouffe du chocolat. Enfin, du pain avec du chocolat dedans. Ils vendent ça chez Range. Enfin, je pense que vous connaissez. C'était le dessert de maman ce midi, le dessert de Léna. Oh, je t'ai appelé maman en plein live. C'est clair. Je suis désolé. Pardon. Évidemment, ne faites pas ça, vous risquez un banc sur sa chaîne si vous l'appelez maman. Hein. Alors, est-ce que si je le mets là? Non, ça passe pas. Ça passe pas. On va la recommencer. Lénore vieillesse augmentation. Tu vis dangereusement. Je même pas. Le gros chat par 4, il va être par là. Non, là, celui-là, il était bien. Il était bien, et ensuite, c'est soit celui-là, soit celui-là. Chez moi, on appelle ça des évolutions, comme les Pokémon. Exactement. Celui-là, on va falloir le mettre ailleurs. Celui-là, il est très gros. Mais néanmoins mignon. Si je le mets là. 1, 2, 3, 4, 5. Non, celui-là est un peu trop gros. Ça passera pas. From Noctalit ou Noctamami. Noctamami Ring Quick. Oulala. On va te faire mettre. Ah. La mamie, elle le couche, mais. En 2, 3 frames, et puis ça fait son malin, quoi. Lika attaque provoque. Lénore ne peut résister à la provoque. Aucun problème, hein, ça marche tout de suite. Hop là. Le pire, c'est que, je sais plus, il y a quelques jours, sur Facebook, bah, j'ai souhaité l'anniversaire à un de mes anciens étudiants, comme d'hab. Hein. Je leur souhaite toujours leurs anniversaires. Et ce con, il m'a répondu « Ah, merci, encore quelques levels et j'évolue. » J'ai plié, quoi. Ah, tu sais qu'on t'aime bien. C'est pas une raison pour être trop trash non plus. Ouais, mais là, ils m'ont mangé mes pains avec des pépites de chocolat blanc. Donc voilà, à un moment, il y a quand même des choses qui ne se font pas. Attends, je réfléchis, qu'est-ce qu'ils auraient pu me manger? Mon feuilleté au bleu quand je rentre du boulot. Ah ouais, ils me mangent mon feuilleté au bleu, mais je suis super vénère. Voilà. Voilà, on est d'accord. Déjà, je leur apprends pas à voler, donc c'est bon. Bah oui, mais je sais pas pourquoi ils font ça maintenant. Alors, vu que c'est du chocolat blanc à la base, je pensais que c'était Sirius parce qu'il est quand même addict ouais. Au chocolat blanc. le junkie. Mais quand je l'ai disputé, il m'a regardé chelou, genre, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Et il s'est pas enfui. Donc, c'est vrai que Sirius, c'est... Mais en fait, on a des chats qui sont très mauvais menteurs. Quand ils font une bêtise, on le sait très vite. Ça se voit tout de suite, quoi. C'est je rentre, il y a un truc éclaté dans le recyclage où ils ont essayé de lécher un emballage de yaourt qu'ils ont sorti du recyclage. Je sais tout de suite lequel c'est parce que je vais commencer à lever la voix. Il y en a un qui va se planquer sous le canapé. Bonne idée, je ferais bien de la pâte feuilletée pour faire des feuilletés bleu noir. Oh ouais, avec des gratouilles dans les cheveux en même temps. Ah ouais, ça c'est le paradis. Oh, pardon. T'es pas obligé de me faire les gratouilles dans les cheveux, Lika. Hein. Je demanderai à Lénore ça. Hop là. Tac. Si je fais ça,
Et bah regardez. Et voilà, on a fini niveau 50. Hop là. Ça me fait un succès Steam? Pas du tout. D'ailleurs, à propos de Steam, la console qui vont sortir au mois de décembre, là, moi ça m'ambiance plutôt pas mal. Il y a vraiment l'histoire de l'espace de stockage qui me frustre. C'est vraiment ce truc-là qui me freine, parce que si c'est pour payer... on a bien compris que le système de stockage de base, c'était un système bon marché, et qu'il fallait ensuite payer assez cher pour avoir quelque chose qui... sera pas celui-là, non, ce sera pas celui-là. Qu'il fallait payer beaucoup plus cher pour avoir quelque chose qui tenait la route au niveau stockage. Et de pouvoir avoir assez d'espace pour installer ces jeux, mais aussi pour pouvoir avoir une rapidité d'accès façon SSD. Donc ceux qui vont acheter le modèle de base à 419 euros, parce que c'est le prix en France qui est annoncé, bah vont faire une croix sur un élément quand même important. Je sais pas ce que vous en dites. Si on lançait un straw poll sur ça, allez, je veux votre avis sur ça. Je lance un petit straw poll, slash poll. Hop. Steam Deck, c'est une belle idée, une belle arnaque. C'est quoi? Voilà. Vous pourrez voter plusieurs fois. Le petit sondage, on va le mettre 10 minutes. Et c'est parti. Voilà, vous pouvez vous exprimer tranquillement. Vous n'êtes même pas obligé d'argumenter. Mais votre avis m'intéresse. C'est pour ça que je vous dis pas trop ce que j'en pense tout de suite. Tac, tac, tac. Non, ça va aller ailleurs. Ça va aller là. Sinon, ça me bloque. Ça n'ira pas là. Ça va aller là. Et il va y avoir un truc comme ça à faire. Voilà. Gâcher de la paille feuilletée comme ça. Mais non. Non, les feuilletés bleu noir, c'est trop bon. Et les feuilletés au bleu tout court aussi, c'est très bon. C'est vraiment délicieux. Je viens de tomber sur une recette de cake aux noix avec crème. Avec au beurre au roquefort façon cupcake. Ouais, bah je valide. Je valide tout à fait. En plus, il n'y a même pas d'obligation de mettre un roquefort. Un bleu de l'accueil, ça passe bien. Et pomme d'Ambert, non, pas trop. Mais bleu de l'accueil, ouais, ça passe bien avec. Tac. Hop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Non, ça ne va pas être ça. Par contre, là, on peut encastrer les deux. On encastre des chats, bien sûr. Alors, si je fais comme ça, oui, c'est bien. C'est bien, mais on va faire mieux que ça. Non, on va pas faire mieux que ça. Lui, il va m'ennuyer. Celui-là, il est dur à placer. C'est pas grave, c'est pas long à faire. Voilà, n'hésitez pas à voter sur le sondage pour dire ce que vous en pensez de Steam Deck. Stream Deck, c'est autre chose. De Tweet Deck aussi, c'est encore autre chose. Si je fais ça. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas. Ouais, après, les cupcakes, moi, j'aime bien, c'est au chèvre. C'est super. Ouais. Ou je rachète un... Cupcake, chèvre, pesto, tu rajoutes genre du poivron, de la tomate séchée, des trucs comme ça. C'est cool. C'est pas très compliqué à faire. Parce que tu te mises très bien. C'est plutôt cool. Faut que je rachète un fromage style comté pour aller avec ma confiture de cerise d'ailleurs. Avec de la cerise. Ouais, comté, ouais. Sinon, en soi, le chèvre ou la brebis, ça peut peut-être le faire aussi, en fait. Après, il y a des gens qui n'aiment pas, donc ça peut coincer. Le comté, il y a moins de gens qui n'aiment pas. Après, ça dépend, c'est pour lui, peut-être, non? Je sais pas. Si c'est pour toi tout seul, voilà. Si c'est pour inviter Croque-Mitaine, oui, évidemment. Ah oui, non, Croque-Mitaine, il n'en mangera pas. Ça va être compliqué. C'est fichu. En même temps, ce serait... Je vais l'inviter. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Bah parce que, bon, je vois mal Croque-Mitaine faire 150 km pour aller voir Lika avec qui... ils partagent tant de choses en commun.
Oui, mais il aime peut-être la cerise, Croque-Mitaine. Là, moi, je ne sais pas si Croque-Mitaine, il aime la cerise. Non, mais je sais qu'il aime pas le chèvre. Oui. C'est vrai qu'il nous l'a déjà dit, ça. Non, mais je mange déjà de la brebis. Donc bon, faut autre chose. Ah. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Oui, sinon, c'est vrai que brebis, ça pouvait... Ouais, mais ça risquait de la tuer, là. Tuer le goût de la brebis. Du fromage de brebis. Eux, c'est les mêmes. Ça. Si on essayait autre chose. Comme ça, par exemple. Non, je pense que là, je suis en train de m'embrouiller encore plus, donc non. Et de la burrata de chèvre mardi. De la burrata de chèvre. Je pense que j'ai jamais mangé de la burrata de chèvre. Si je fais ça, je suis coincé. Donc en fait, lui, il peut pas aller là. Et ici, c'est forcément... Bah ouais, t'as soif. Forcément que t'as soif, bah oui. On va essayer comme ça, dans ce sens-là. Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire, regardez. Comme ça. Ah oui, mais j'ai toujours celui-là. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas où le placer, lui. Je ne sais jamais où le placer. Et ça peut pas aller là. Ça irait là, ici, comme ça, là. Ça pourrait aller là, mais dans ces cas-là, je fais comment? Je fais comme ça. Ça, ça ne passera pas. J'en ai un qui fait 4 ou pas? 2, le gros 3. Celui-là, il est encore plus gros. Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Celui-là, il n'ira pas là. Oui, mais s'il va pas là et qu'il va pas ailleurs. Il ira sur un truc comme ça. Gros chat qui fait dodo et qui tire la langue. Trop mignon. Non. Non, ça peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Alors, non, parce que j'ai toujours des cases vides dans ces cas-là. C'est vraiment encore lui qui me casse la tête, qui me tue, comment on dira, qui m'ennuie, quoi. Hop. Ça, ça n'est pas la bonne idée. Ça. Est-ce qu'avec ça, je pourrais me dépatouiller? Genre comme ça. C'est pas dit, hein. C'est pas dit. Comme ça. Là, je peux faire pas ça. Je peux pas faire grand chose. Parce que là, j'ai encore une case relou à compléter. Essayons par là. Comment ça pourrait se passer ici? Bah non, ça peut pas être là. Et si je le mets là? La seule case qui passerait, c'est celle-là. Puis on met comme ça. J'ai une recette de crème brûlée au foie gras à la figue aussi, ça tente bien. Ah oui, oui, oui. Figue foie gras, ça passe trop bien. Super bon. Mais en effet, je valide. Je valide totalement.
Les moments qu'on mange de la viande. Pourquoi se priver de ça? Et qu'on est ok. Je comprends aussi ceux qui sont pas emballés par le foie gras. Hein. Mais c'est vachement bon. Il paraît que les faux foie gras commencent à être bons. Faudrait qu'on essaye un de ces jours. Pour voir. On n'en avait pas tenté, hein. Il y a longtemps, je crois que c'était pas encore fameux, ouais. Et que c'était pas forcément moins cher, d'ailleurs. On avait tenté, c'était pas... c'était pas encore au point. Après, en soi, j'en ai déjà mangé une fois de la crème brûlée au foie gras. Ouais. Dans un resto à Rouen. Mmh. En entrée, c'était super bon. Mmh. Si je fais ça... Non, ça n'est pas ça. Eh ben, c'est vraiment le celui-là qui me coince, ce petit chat. Miaou, miaou. Ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. On fait ça. Ah non, parce qu'après j'ai plus rien pour faire le tour. Non, là ça avait l'air vachement bien au niveau proportion, ça avait l'air vachement bien prévu pour. On va essayer d'aller au bout de la logique quand même, parce que là ça me paraît bien. Hein. Il me faut un carré. Oui, mais ça passera pas. Ça ne passera pas. Et si j'essaye avec ça? Ça ne passera pas non plus. Si je fais ça, ça change rien. Ça sera pas ça. Et là, si je fais ça, bah non plus. On doit pas être loin. Hein. On doit pas être loin de la bonne réponse. Mais dès qu'il y a ce chat là. Chaque fois que je dis chat là, je pense à chala et chala. C'est horrible. Ça permet de faire un bloc de 5. Comme ça. Je pense que c'est prévu pour. Lui, on pourrait le mettre comme ça. Et lui, comme ça, ça revient au même. Ça revient absolument au même. Est-ce que lui, il pourrait rentrer en longueur? Non. On a toujours celui-là. Attaqué. Si je le mets comme ça... Ça règle pas vraiment la question. Je fais comme ça. Ok, mais là je suis coincé. Et là, grand chat ne passerait pas. Alors qu'ici, il passe. On va trouver. En passage, j'en profite pour faire un petit peu d'auto-promo à partir de vendredi, à partir de 14h35, le temps de bien se réveiller et d'avoir tout lancé convenablement. On fera du Soul Calibur 6 ensemble. Donc si jamais vous voulez faire du versus avec quelqu'un qui est pas très bon,
parce que pas trop d'expérience et très envie de jouer pour s'amuser, eh ben n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je jouerai avec vous. Avec grand plaisir. Si on fait ça, on va mettre un gros chat comme ça. Là. Tac, tac, tac. Ça, ça passe. Ça, ça passe, mais ça me sert à rien. Non, pas une bonne idée. Pas du tout une bonne idée. Je pense qu'on va le passer, celui-là. Ouais, on va passer ce niveau, on y reviendra une autre fois. Oh, regardez, vous avez trouvé un nouveau chat, c'est Katong. Katong est une tête vide, insouciante. On peut souvent le voir en train de courir et de sauter partout, sans aucun but apparent. Quel enfer. C'est rigolo, hein. Mais pas à 2h du mat. Et vous aussi, vous avez un chat comme ça à 2h du mat. Eh ben, courage. J'avoue, quand on clique dessus, il a un regard un peu vide. Ah, des fois, Sirius, il est comme ça, quand même. Hier soir, Sirius, il comprenait rien, il y avait Harry Potter à la télé. Il y avait Harry Potter à la télé, il avait plus les oreilles qui sifflaient, il entendait tout le temps son nom. Bah, c'était un petit peu le prisonnier d'Azkaban, donc... Il comprenait pas pourquoi son nom était prononcé en permanence. C'est vrai que c'est le pauvre, quoi. Puis il regardait vraiment avec la tête de quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? Qui m'appelle ? Ouais. Pauvre chaton. Bah oui. Il en a une vie difficile quand même avec nous. On l'interdit de chocolat blanc. Je ne peux pas dans mon foiré. Ils sont tous les deux dans la poussette là. Ouais. Ça va la poussette double, tranquille. On a pris une poussette double pour nos enfants, pas pour les chats. Si je fais ça, non, ça passe pas. Mais on doit pas être loin. Je peux le tout petit, je peux le caser, mais ça va pas être là. Ça. Non, pas comme ça. Est-ce que si je fais ça, non, ça va pas du tout m'aider. Pas du tout m'aider, et en plus là je suis en train de refaire les mêmes bêtises à chaque fois. Ça va être celui-là le premier à caser déjà. Celui-là va falloir trouver où le mettre. Hop. Ça va pas être ça. Ça va pas être ça. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça non plus. On va réfléchir autrement. Prenons les deux plus gros. Toi et toi. À moins qu'il ne soit comme ça. Non, ce serait pas ça. Non, ce serait pas ça. Ou comme ça, c'est pas possible. Comme ça, non. Comme ça, non. Donc il est forcément là. Jusque-là, tout va bien. Celui-là, il peut aller que... Il peut aller en longueur, pas là, pas là. Il va aller, il peut aller ici. Si je fais ça, ça ne colle plus. Donc, il est forcément là, c'est pas possible. Là, c'est bon. Normalement, je ne peux pas faire autrement que ce que je viens de faire. Castre là. Non. Non plus. Puis j'ai pensé à enlever mes lunettes pour ne pas les abîmer avec le produit. Ça, c'est très bien. Belle organisation. Il est forcément là. Ça, c'est forcément comme ça.
ça, c'est pas la même forme. C'est pas la bonne forme. C'est marrant, il est tout petit, il est dur. De le puzzle, hein, oh, calmez-vous. Je vous ai vu comment c'est rigolé. Non. Et lui, il ne peut pas être autrement. Il est forcément posé comme ça à un moment dans le puzzle. Je fais ça. Et... C'est bon, il s'endort. Je pense qu'il s'est endormi. Il m'a dit je veux pas faire dodo, mais... J'ai dit, moi aussi je vais faire dodo cet après-midi, tu sais. Et du coup, ça l'a calmé. Non, pas comme ça. Parce que j'ai mon petit bonus avec le tout petit là. Mais... Tac. Et il me reste le grand chat à placer, donc ça va être compliqué. Eh ben, on va le passer aussi, celui-là. On va le passer aussi. Alors, ça va aller par là. Prends pas trop de risques. Ça va aller par là. Grand chat, tu vas aller où, toi? Prendre la place, celui-là. Prendre la place, c'est pas pratique à agencer. Pas pratique du tout à agencer. Surtout s'il va là. Oh, coucou Babel. Coucou Mélusine. Oh. Et ouais, attention, j'ai ramené la plus belle. À égalité, ex aequo. Bah oui, évidemment. Bon, tout va bien. Je pense que le piège il est là. Le tout petit, il va ici. Bon, par contre, c'est la plus belle, mais c'est certainement pas celle qui s'entraîne. Ah, elle a fait caca. Décidément. C'est la journée, hein. C'est la journée des gros proutes. Des caca qui puent ou dans la baignoire, tout ça, c'est. Ouais. La vie de parents. Après avoir un chat, je trouve que ça entraîne vachement. Tout à l'heure, j'aurais oublié de te le dire, j'ai ramassé une énorme bobine de Beetle juste devant la poubelle. Ouais. Bon, ça sentait le. J'étais en train de gentiment fouiller dans la poubelle quand tout à coup il me suis mis à gerber. Bah oui, mais il a vomi deux fois aujourd'hui parce que ce matin il a vomi devant la salle de bain et je lui ai couru après en mode non, tu lui vomis pas dans l'escalier et il a vomi sur la dernière marche de l'escalier. Enfin, c'est chaud, mais au début on se demandait pourquoi et maintenant on sait. Hein, c'est, il se force les poubelles, il fait les poubelles. Et on a poubelle fermée, poubelle haute avec un couvercle, des élastiques pour que refermer tout ça. Et il arrive quand même à aller chercher, mettre la truffe dedans, à aller farfouiller au fond tout ce qu'il veut, ressortir des trucs, les bouffer et vomir. Ça tombe bien, je compte avoir ni l'un ni l'autre. Ah bah oui, oui. Pour le coup, là, tu es tranquille. Enfin, t'auras des inconvénients au moins. Après, il y a aussi des avantages. Hein. Enfin, surtout les inconvénients, mais les avantages, on en est bien content. Voilà, il y a la plus belle et l'autre plus belle. Les deux plus belles. Coucou Diantéa. Vous voyez, vous avez un temps pourri. Ben nous, aujourd'hui, on a deux rayons de soleil. J'en ai même dit trois avec Lisandre. Et quatre avec Lénore. C'est quand même un rayon de soleil qui pue. Hein. Oh. Mais elle était en mode Magikarp. C'est mignon. Oui, ça passe. Et du coup, on arrive à finir le niveau. Yes. Et du coup, vous discutez. Impeccable. Oh, regardez, ah, j'ai gagné Feline Herder comme succès. Regardez, vous avez trouvé un nouveau chat, c'est Asana. Oh, il est mignon. Elle est intelligente, vive et n'a peur de rien. Ce qui est un vrai problème pour son humain. Parce qu'elle vole tous les casse-croûtes. Ah bah voilà. Vous voyez, regardez comment on se fait avoir. On dit, oh, il est trop mignon ce chat, il est trop choupi. Bah oui, c'est celui qui va choper la bouffe des humains. Et bah voilà, qu'on vient de pas se plaindre après. Hein. Regardez, en plus, il a une queue burtonienne. C'est garanti, c'est les chats pour nous, ça. C'est des chats pour nous. Il y a toujours ce chat relou qui est là. Ça peut pas être là. Est-ce que ça peut être là? Non. Si, ça peut être là.
Non, ça peut pas être là. Ça sera donc forcément ici. Gros chat, il sera là. Hop. Si je fais ça, ça ne passera pas. Donc, ça va être lui qui va aller par là. Genre. Ça, ça passe pas. Attendez, comment il prend une case exactement? Ça va en fait. Il prend 4 cases de long, une petite barre qui repique. Ça va. Voilà, ça devrait s'organiser correctement, un petit chat comme ça. 2 et 1. Par contre, j'ai un gros chat là et un gros chat là. Là, par exemple, ça passe pas. Il déborde. Ok, il est trop mignon. Je le mets là. Mince, ça passe pas. Essayons comme ça. Essayons comme ça. Oui. Voilà, j'ai aspergé là-haut. Yes. Et moi, j'ai encore combien de temps d'incubation pour le crâne? Encore un quart d'heure? Ouais. À peu près. Et ensuite, ce sera le passage au shampoing anti-poux et compagnie. Le plaisir. Mais cette fois-ci, ce sera pas Lénore qui viendra me faire les papouilles. Je me débrouillerai tout seul. Puis là, il va là. Là, il fait 3, donc il va aller par là. Chaton. Comment je l'ai expédié celui-là? Hop là, niveau 55. Ni l'un ni l'autre ne mérite de t'avoir, Lika. Non mais. Gros chat. Gros chat. Là. Lui, il est vraiment super galère à placer celui-là. Oui, du coup, t'as pas vu la présentation, Lénore? Le chat, là, avec la queue en beurtonienne, c'est exactement pour... Hein? C'est exactement pour nous, parce que c'est le genre de chat qui vole les déjeuners. Ah, oui. Tu vois? On se fait avoir. Tout est lié, en fait. C'est notre faute si nous avons des chats qui sont des voleurs. Parce que on l'a bien cherché. Quand le chat nous voit, il se dit « Ah, ben voilà, là, je vais pouvoir grailler. Là, je vais pouvoir me servir. » Et nous, on est là, oh, il est tellement mignon! Mais oui, mais on ne voit pas son caractère profond. Qui est de faire les poubelles. Après, Beetle, c'était un peu prévisible qu'il fasse les poubelles. Tu l'as eu comment déjà? Doucement. Je l'ai trouvé dans les rues de Rouen, enfin, dans une ruelle pavée de Rouen, où en fait, il était tout petit et il me suivait, donc je l'ai récupéré, tout ça. Enfin, bon, bref, je me suis. Tu t'es fait avoir. Je me suis fait avoir, hein, comme d'hab. Et puis bon, la meuf qui est en mode « Mais non, je le prends, c'est juste pour lui filer un peu à manger, et puis après, je le relâche. » Puis dans l'escalier, en montant, « Tu crois que ça lui irait bien s'il s'appelait Beetlejuice ?» Enfin bon, bref, voilà, quoi. Et d'ailleurs, il s'appelle Beetlejuice, ce qui est ça qui est assez drôle. C'est pour ça que vous entendez souvent « Beetle !» Voilà. Et quand je l'avais amené chez la vétérinaire pour savoir s'il était pucé, enfin, s'il appartenait à quelqu'un, s'il y avait des avis de recherche et tout. Alors, il n'y avait pas d'avis de recherche. Des puces, il en avait bien, mais pas celle qui pouvait lui donner une identité. Tu lui as gratouillé la tête aussi ou pas? Oh. Oh bah, il a été champigné un peu, ouais. Oh. Et il en a de la chance. Non, je crois qu'il a... Non, il avait eu bébé, doc. Parce qu'elle m'avait dit que non, les shampoings, ça servait pas à grand-chose. Oh bah. C'était... Il fallait un traitement, quoi, en fait. Ouais, si mais... ça sert à quelque chose, ça fait du bien. Et que, bah, en fait, au début, il avait la taille d'un chaton de à peine 3 mois et la dentition d'un chaton de 5 mois. Voilà. Bah, il fallait les donc, traquer, en fait, les poubelles, il avait 2 mois de retard au niveau croissance. Et d'ailleurs, ça lui est resté, il a une queue assez courte pour un chat. Et du coup, voilà, bah, ouais. C'est vrai, ça. Le pauvre, je pouvais pas faire. Bon, bah, ok, c'est cool, il a des carences et tout, bah, salut, hein. Et débarque-toi, oui.
Pardon. Voilà, je t'ai donné des... Non, je n'ai même pas donné des croquettes. Si, j'étais allée en acheter. Oh. Alors que c'était une période où tu n'avais pas d'argent. Oui, comme d'hab. La lapine naine, c'était pareil, j'avais pas d'argent. Je me suis retrouvée à acheter une cage qui me prenait un neuvième de ma chambre de 9 mètres carrés, là. Alors que j'avais pas une thune, hein. Des bons avis d'étudiant. En fait, j'ai passé ma vie à recueillir des animaux. On va se calmer maintenant, hein, parce que Sirius, c'est pareil, c'est arrivé comme ça. Ouais. Si je le mettais là, lui. Bah non. Non, je vais pas le mettre comme ça. Je veux pas de chat parce que je préfère les chèvres et franchement, je préfère me faire couper les C qu'avoir des enfants. Joke inside, c'est ce que je vais faire un peu. Il était dans Rouen, déjà la passion des poubelles. Vache. Ah, ça joue, ça joue. Ah, mais c'est ça, franchement. Ça joue. Là, pour le coup, moi, cette faute-là, je la siffle pas. Hein. Alors, si tu veux, Lika, on connaît un super veto qui sait ouvrir le sac des testicules, retirer la poche des spermatozoïdes et refermer cela. C'est comme ça qu'ont été opérés tous les Sirius. Ils ont toujours leur testicule, mais trois mois, ils sont bien stériles. Ils sont contents. Est-ce qu'on va réussir à faire ce niveau proprement? Est-ce que je peux faire ça? Il est mignon aussi celui-là, en fait, il ressemble à un furet. Mais ils sont tous mignons, ils sont presque tous mignons dans ce jeu. Je fais ça. Oui, mais la vasectomie, c'est plus rapide. On a trop de cucibotes parce que l'opération en soi, elle permet pas une demi en téléchat. Et il le garde pas une nuit en observation? Il sort direct? Si, non, 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 Sirius, j'étais là. Il l'avait gardé l'après-midi. Ouais, voilà, il... J'étais présent à son chevet. Tu parles, il a fait des gratouilles avec la vétérinaire pendant l'après-midi. Il était pas contre rien là-dessus. Hein. Oh, tu fais ce que tu veux, ça me sert pas, ça. Tu m'étonnes, il était trop jeune. À quel âge on l'a fait castrer, Sirius? 6 mois. En même temps, il voit jamais l'extérieur, hein. Il sort pas et vu comme ils sont pâteaux et maladroits, c'est pas plus mal. En même temps, et aussi, on vit en appart et on vit en étage. Du coup, c'est aussi pour leur éviter les misères ou les accidents. Et Beetle a peur de l'extérieur, parce qu'il avait pas l'instinct de survie, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a suivi les normes. Ouais, voilà, en fait, c'est depuis que je l'ai recueilli, il a la phobie de l'extérieur. Donc... Mais il a pas la phobie des poubelles, c'est dommage. Ouais, d'accord. Après, si t'as des élastiques, on peut faire une castration de boucle. Avec des élastiques. Waouh. Ok. Oui. Eh bien. C'est dégueu, mais... Ok. Du haut le principe. Moi, je préfère rester sur la barbe, le bouc. Voilà, je préfère rester innocent. Oh oui. Mais c'est ce gros chat là, c'est ce chat qui est relou là, lui. Lui, il est pas pratique. Est-ce que je peux le mettre ailleurs? Un endroit où il pourrait ne pas gêner tout le monde. Non, ça va pas être là. Bon appétit! Je ne lirai pas ton message, mais je l'ai bien lu, j'en accuse réception. ça ne sera pas ça. Oh le tigre! Oh le tigre! Regardez le tigre, il est réveillé. Bah c'est bien. En même temps, il a marché combien ce matin? On l'a fait marcher 5 km? Ouais. Donc c'est bien. Je suis dégoûtée, Pokémon Go, il y avait une mise à jour à faire, du coup ça n'a pas compté. Oh. Et nous saluons évidemment Mamoto Pokémon qui est dégoûtée pour son Kaiminus hier. Ouais, bah. Quelque part, moi ça m'a juste rassuré de dire que j'étais pas la seule. Tac, tac. Non, c'est pas ça. Et si on le met comme ça? Si on fait comme ça, le problème c'est que là ça passe pas.
Mais si on fait ça. Tac. Là, je peux mettre 3. Lui, ça sera évidemment pas dans le bon sens. Soyez autoritaire avec la vaisselle. Ouais, non, mais... Ah, c'est le truc avec l'éponge. Ouais. Bah oui. Alors, encore une fois, les chats. Hein. Si on a une poubelle... Sérieux, oui, si on a une poubelle haute, c'est parce que... et de 50 litres, c'est parce que les chats... À la base, attaquer la poubelle basse. Maintenant, ils attaquent la poubelle haute. Un petit coup de truffe, un coup de patte, ils arrivent à la lever. Il faudrait qu'on prenne des machines avec des détecteurs, mais ils seraient capables de l'ouvrir aussi. Et à une époque, Sirius mangeait les éponges pour la vaisselle. Donc, on a été obligé de mettre ça dans une espèce de gourde de transport qu'on a recyclé en range l'éponge. Et maintenant, il ne mange plus les éponges. Mais maintenant, bah, ça nous fait un espèce de faux thermos. Range éponge qui prend la moitié de la place sur les vies. Aïe! C'était l'huile d'olive, je précise. Je sais si je pourris des streams. Mais non! J'oserais pas. Fabrique une poubelle en fonte avec couvercle. C'est pas une mauvaise idée. Bah ouais, parce qu'il est vraiment, vraiment lourd. Hein. Sur ça. Alors. Oh! Il est vraiment lourdingue de faire les... Non, 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 non. Allez, de faire les poubelles. Tends les bras, laquelle vous tendez vous premier. Allez, qui tend les bras. Ça va pas être ça. Ça va pas être ça sur ce niveau. Qui veut se faire changer en premier. Ouais, vas-y, t'as gagné, bien fait. Alors, faisons une dernière tentative. Oh, du cul. Comme ça. Oh, Haru, tu as encore récupéré un chocolat. Merci. Tu sais, un seul suffit. Tu n'es pas obligé d'en récupérer trop. Non, mais elle veut finir combien de la classe en fait. Ah, je viens de me mettre de la lotion sur la main. Ah bah bravo. Je viens de m'appuyer la main gauche sur les cheveux. Du coup, j'ai de la lotion partout. Ah, si tu veux être première de la classe, il y a d'autres possibilités, puisqu'il y a d'autres matières sur le Discord. Doucement. Oh, ça casse les oreilles, ça, ma choupinette. Je veux être première. Ah oui, bah ça, on a vu la volonté en tout cas. Puisque vous avez aussi l'émission Gagner un niveau sur le Discord. Ça, c'est la matière EPS. Hop là. Non, mais j'ai fait ma présentation. Oui, la présentation, c'est bon aussi. Il y a Gagner un niveau, mais ça peut. Ça, vous avez tout l'été pour le faire, donc vous n'avez pas besoin de spammer ou de vous précipiter. Ça va se faire tranquillement. C'est vrai. C'est vrai. Doucement. Non, lui. Tac. Qu'est-ce que vous avez follow les North and Say, mais ça, je crois que c'est déjà fait pour toi. Doucement, les filles. Hop, ça, je peux le mettre là. Si je fais ça. Non, ça ne va rien régler du tout. Si je fais ça, bah, encore pire. Et si je fais ça, bah, le gros chat, il passe plus. Sauf si lui, je le mets ailleurs. J'ai pas compris Motisma. J'ai pas compris Motisma. Cahier de vacances. Tac, tac, tac. En fait, c'est par rapport à la montée de niveau, en fait, sur le Discord, quand vous discutez beaucoup, à un moment, vous gagnez des niveaux. Et même quand vous discutez, pas beaucoup, vous gagnez aussi des niveaux. Pour ne pénaliser personne et rester... Doucement, Mélusine. Tu pètes les oreilles, là. Pour rester bienveillant avec tout le monde. Et notamment, dans le cadre des efforts en EPS, on fait que dans les écoles, maintenant... et au collège, on va pas sanctionner quelqu'un qui court moins vite qu'un autre, on va récompenser ses efforts. Donc si vous gagnez un niveau pendant l'été sur le Discord, en termes de discussion, vous allez avoir la note en EPS. Tu viens de dire ta mère la chaise. Mais oui, c'est un tabouret. Presque. T'es pas loin. C'était pas loin. Et en gros, ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Et ça sert à rien de spammer, hein. ça va se faire tout seul. Ça va se déclencher tout seul. Croque-mitaine, par exemple, il l'a fait sans faire exprès.
Hop. On est pas mal là. Eh, on est pas mal, on est pas mal du tout, regardez. Tadam! Niveau 56. Oh, regardez, vous avez trouvé un nouveau chat, c'est Browser. Un chat très calme. Il ne se plaint jamais. Mais il est toujours là, si son humain a besoin d'attention. Oh, c'est mignon. Ça, c'est bien. C'est les chats mignons. La couche, est c'est Bagdad, la couche? Je dirais bien qu'il y a des tirs de mortier. Il y a des tirs de mortier. Oh, ça te fait rire, toi. Ça te fait rire, Belette. Là, malheureusement, quand on a des enfants... L'histoire de caca, hein. Et le quotidien. Celui-là, il a l'air facile comme niveau, non? Les tamers de Lénore sont juste magnifiques. Ah bah, vous pouvez les clipper, hein, n'hésitez pas. Les tamers de Lénore sont magnifiques. Ah, je suis d'accord. Ils sont super. Le tamer au tabouret était mon préféré aujourd'hui. Ce soupir qui en dit long. Ce soupir qui en dit long. Non, ça passera pas. Oh là là, le tigre! Oh, le tigre! Tu penses arrêter? Oui, 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 oui. Je finis ce niveau, et ensuite on fait un petit raid. C'est pas ce que je disais sur celui d'avant. C'est vrai. Je crois que je l'ai pas dit. C'est pour ça. Poup, poup, poup. Ouais, comme ça. Ça te fait rire, Belette. T'es trop mimi. Oh. Allez, faisons stratégique. Commençons par celui-là, comme ça. Mettons celui-là, comme ça. Ensuite, on a le chat, qui est mignon, qui est pratique, qui est là. Sauf que si je fais ça, je peux plus mettre le carré. Si je mets le carré. Mais pourquoi t'as le mettons d'avoir, toi? C'est complètement ça en fait, regardez. Et voilà! Impeccable! Bon, ben, on a fini pour aujourd'hui. On a fini le niveau 57 sur 80. On retrouvera certainement ce jeu un petit peu plus tard. Je vous attends pour faire un peu de variation la semaine prochaine. Semaine prochaine, d'ailleurs, je vous donne tout de suite le petit programme. Puisqu'il n'y aura pas de stream le dimanche. Le dimanche 25, il n'y aura pas de stream puisque je travaillerai de nuit. Par contre, il y aura 2-3 petites choses qui sont changées pendant la semaine et il y aura quand même Dark Souls lundi soir. Ça changera pas. Et est-ce qu'il y aura le petit stream détente le mercredi soir? C'est possible, c'est très possible. On s'arrête là, on passe sur l'écran de fin.